Bonjour, vous savez où je suis ? Les médiathèques de Cannes proposent désormais un service de jeux vidéo et de prêt de tablettes numériques. Alors si vous aussi, vous voulez rentrer dans l'ère du numérique, suivez-nous ! J'ai rencontré Vanda qui va nous expliquer comment fonctionne ce nouveau service. La médiathèque de Noailles dispose de 14 iPads en libre accès. Ce service offert aux usagers est ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h. Actuellement, donc, sur les tablettes, nous proposons soit de la navigation et quelques applications de jeux et de presse quotidienne. Donc ce service est actuellement uniquement réservé aux adultes. Les modalités de prêt des tablettes sont très simples. Il suffit de présenter sa carte d'identité ainsi que sa carte d'adhérent. L'emprunteur devra également signer une charte d'utilisation de la tablette. Les médiathèques Noailles et Ranguin proposent également des ateliers de jeux vidéo pour les enfants. Alors, les ateliers se déroulent pendant les vacances scolaires, le mercredi et samedi de 14h à 17h, avec la possibilité pour les enfants d'emprunter sur place des Nintendo 3DS XL ou de jouer sur console de salon. Alors, est-ce que les enfants doivent s'inscrire pour ces ateliers de jeux vidéo ? Il sera nécessaire de s'inscrire au préalable. Cela dit, s'il reste des places, les enfants, dès qu'ils se présentent, peuvent utiliser les consoles. Ils devront aussi être inscrits à la médiathèque et donc ils disposeront d'une session d'une heure non renouvelable dans la journée. Et à noter que les ateliers de jeux vidéo des médiathèques sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans. Voyez à Cannes, c'est facile d'être connecté. À bientôt dans Cannes Mag.